vais regarder ça un peu. Très belle moto de test pour GeoRide, avec un magnifique truc d'un abonné. C'est propre. Bon les gars, je pars là, faire un petit job de commercial, tu vois, présenter GeoRide à des concessions, etc. D'ailleurs, merci putain pour vos retours et tout. J'avais dit, si vous avez des gens qui connaissent et tout dans le milieu des concessions, si ça vous intéresse, prévenez-moi. Vous m'avez prévenu, mais par je sais pas combien, de vingtaines, de trentaines. Et du coup, bah on va être partout, donc c'est super, merci. Du coup là, j'en profite pour faire un petit vlog. Bam. Allez, hop. Hop. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça, c'est mon agent immobilier. Ça. Si tu vois cette vidéo, j'ai besoin du plombier. Ça fait un petit moment que j'ai besoin. Bon, merci pour vos retours sur la vie à moto aussi. Ça fait plaisir. On a essayé de changer un peu le format. Ça plaît beaucoup. Il y a quelques autres personnes qui sont. Parfois, ça les saoule un petit peu le montage, mais on va gérer ça. On va s'adapter au fur et à mesure. Mais bon, c'est cool. Les retours sont très positifs. Bref, aujourd'hui, on va parler voie de bus. Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'hypocrites. Dans la vidéo, c'était vu à moto aussi. Qui disait, tu prends les voies de bus, machin. Parce que j'avais parlé des pistes cyclables et tout, quoi. Alors, je trouve ça vraiment hypocrite parce que c'est quelque chose que tout le monde fait. Et c'est un peu un secret de polichinelle, en fait. Ouais, j'ai sorti un truc de ouf. Et c'est ça qui me saoule. Donc aujourd'hui, on est d'accord, tout le monde le fait, d'accord? Faut arrêter le délire. Maintenant, il y a une façon de prendre correctement, je trouve, une voie de bus ou une voie cyclable. Et faire défoncer, je le sens. Et il y a des façons dégueulasses, ok? Donc le but, c'est déjà d'admettre que tout le monde le fait. Donc à partir de là, il va falloir sécuriser le truc, quoi. Donc je propose une vidéo qui met au clair et qui dit, voilà, comment on fait. Déjà, moi, j'ai un principe, c'est je vais pas sur les sas à vélo. Parce que ça casse les couilles tout le monde. Et puis c'est vraiment le truc en trop qui sert à rien. C'est souvent, il y a des scooters qui sont là-dessus, tu vois, il y en a plein. Et au démarrage du feu, bah moi, j'accélère comme ça et je les double tous. Donc ça sert à rien. Voie cyclable, il faut pas rester dessus. En fait, la règle, voie cyclable, voie de bus, ne restez pas dessus, quoi. Parce que ça va être le malaise à un moment donné ou à un autre. Alors moi, parfois, dans certaines situations, tu vois, genre là, je vais regarder derrière s'il y a personne. Et là, je vais me dire, allez, vas-y, je vais mordre au milieu de la ligne, quoi. Et faire gaffe, surtout quand tu fais ça au karma, parce que les portes qui s'ouvrent et tout, c'est dangereux. Et surtout, s'il y a un cycliste qui arrive ou quoi, ne le fais pas chier. Voilà, tu te rabats et voilà, ça devrait pas être utilisé tout le temps, quoi. J'ai pas envie que vous preniez ce guide en mode, je sais pas, pas comment transgresser la loi, mais ça reste positif. Comprenez bien mon intention, quoi. Partir d'un constat que bah, tout le monde fait ça, mais je propose une sorte de guide, on va dire, pour le faire mieux, quoi. C'est un gros son. Bon les gars, je rentre à Lille ce week-end. Alors où vous voyez cette vidéo, je suis à Lille. On va retrouver le petit temps lillois et tout, ça va faire plaisir. Ça là, les voies comme ça à droite là, moi j'utilise pas. Je vous conseille de pas le faire. Puisque les mecs là, ils peuvent tourner à droite instant. Genre la claque sans regarder, et c'est dangereux pour les vélos et forcément aussi si tu vas dessus, bah, c'est dangereux pour toi. Et tu vois, ça peut débarquer à n'importe quel moment. Ça va être vraiment du temporaire en fait moi. Salut, ça va? Ouais, tranquille, et toi? Ça va. Ah oui, je vous conseille aussi, ne jamais genre se coller à la voiture et d'un coup de faire clac comme ça, non. Faut bien s'y prendre à l'avance, voilà. Et moi je mords ici, généralement je suis ici quand je remonte la voie. Je suis pas là, je suis pas au milieu, je suis un peu là, quoi. Sauf quand je commence à doubler, là je m'écarte, c'est très important. Et là tu vois, j'embête personne. Et là je fluidifie en fait le trafic. Parce que vous râlez contre tous les motos, scooters, etc. Mais dites-vous bien que si elles étaient vraiment dans le trafic avec vous, elles vous feraient chier de ouf, quoi. Et notre capacité aussi de consommer moins d'essence que les bagnoles. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour l'environnement. Enfin, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est que ça consomme quand même beaucoup moins si tout le monde utilisait des deux roues. C'est que des deux roues, bah ça roule. Ça roule toujours en fait. C'est. Il y a de l'interfile dans les bouchons, tu vois, ce genre de truc qui fait que ça roule toujours. Et comme ça roule toujours, bah ça dépense pas d'essence à l'arrêt. Voilà pourquoi ça consomme moins en fait. On est toujours à peu près en mouvement, c'est ça qui est cool aussi avec le deux roues quand même. Alors 7 deniers, 7 deniers, 7 deniers, c'est par là. Merde, c'était là! Putain, et attends, la pancarte, elle dit tout droit. Et d'un coup, tu vois une pancarte tourner à droite. C'est hyper malaisant. Bon, pour faire une petite pause à ce petit vlog, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée avec mon monteur. Enfin, surtout que lui qui a réalisé. Un truc très sympa. Quand je suis allé dans le sud cet été, juillet, c'était la casque date. C'était très sympa de revoir tous les potes. Donc, on va balancer ça maintenant. Ça va vous faire revivre des belles images. Là, voilà. Et même à Toulouse, là, il fait pas beau. Bah, là, vous allez avoir le beau temps, le circuit, tout. C'est parti! Waouh! Elle tire court, hein? Ouais. Elle tire court, elle tire court! Olivier! Voilà, ça va être sympa là. We'll be right back.
Retour à la réalité les gars, et oui ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait mal, oh là 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 là. Hop là. Donc là on va essayer d'overtake le bus. Voilà. Attention quand on repart, surtout là, voilà, c'est dangereux. Bon, je vais pas faire le mec moniteur auto-école, mais tu vois. Si je peux vous donner des petits conseils pour éviter de vous défoncer, ça peut être tout aussi bien. Alors que je me rappelle la dernière fois par où je suis passé. Alors je crois que c'est là, hein. Ouais, c'est là, je crois. Et ensuite ça va être sur la gauche. Ah putain, je suis déjà en retard. Très gros malaise de ouf. Signé, malaise de ouf, approuvé. Ah tiens, parlant de malaise de ouf, les gars, on va bientôt rouvrir la boutique, il y a beaucoup de gens qui demandent et tout. Et en fait, le but, le plus long secret, c'est que grâce aux revenus YouTube et aux ventes de vêtements dans la boutique, tu vois, les gens qui désirent acheter un petit pull pour faire partie de la communauté, quoi, tu vois, arborer les couleurs, c'est toujours sympa. Et bien, grâce à ça, en fait, l'idée, c'est de financer le monteur vidéo pour que moi, je puisse toujours vous rapporter des images, quoi. Alors je dis pas qu'il faut absolument faire ça et sinon la chaîne va fermer, mais voilà, ça serait cool qu'on puisse réussir à être autonome, ça serait génial. Parce qu'aujourd'hui forcément moi j'ai plus le temps de monter les vidéos et du coup j'embauche un monteur. Et le monteur c'est Georide qui l'embauche. Ça passe. Ça va, ça passe. Et du coup bah ça serait cool que plus tard voilà il puisse être autonome complètement. Et grâce à la chaîne et tout, tu vois, on puisse ça puisse marcher, quoi. Mais bon, pour ça prend du temps, faut relancer la chaîne, tu vois, elle a pris cher un peu, voilà, donc moi mon but c'est de partager. C'est de partager ce que je vis à moto. Tout simplement. On est bien arrivé à Kawa. Avec une KTM, c'est toujours un plaisir. C'est un truc de ouf les gars, parce que dès que tu présentes ton produit, tu vois, ils sont là, ah ouais c'est cool et tout. Et quand tu fais la démo, tu tapes le pneu et t'as la vibration, t'as la notif. Les mecs ils sont choqués, quoi, ça change toute la discussion. Ils sont là en mode waouh. Ah ouais, ça marche bien, bah bien sûr que ça marche bien, t'as cru, quoi. Jamais je vendrais de la merde, à part le pis sous gorge. Ouais, c'était pas de la merde quand même. C'était quand même stylé, c'était pratique, quoi. Petit mal de gorge, bam, pis sous gorge, quoi. Bon, avant de finir cette vidéo, je voudrais savoir si ça vous plaît. Voilà, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, tu vois, on est en pleine remise en question. Sachez en tout cas que je suis super content de pouvoir encore partager des trucs avec vous. Grâce à Pixel Nude, le monteur, putain, il fait des trucs top et tout. Et si j'avais pas de monteur, je pourrais plus vous partager des trucs. Et je me suis dit, c'est pas possible, putain, je kiffe partager ma passion de la moto. Et voilà. Du coup, bah, on va essayer que la chaîne puisse tourner un peu tout seul, tu vois, financièrement, quoi. Que le monteur, il puisse être autonome grâce à la chaîne, sans devoir que Georide file le billet à chaque fois. Et puis, on va voir si avec les pubs et la boutique, voilà, ça serait, putain, c'est mon rêve, ça serait génial que, tu sais, ça puisse tourner à peu près tout seul. Et que tout le monde soit content, quoi. Que moi je sois content, je puisse faire mon métier, Georide, tu vois, et en même temps puisse vous partager des trucs en vidéo. Putain, ça serait le rêve de ouf, quoi. C'est un peu mon deuxième rêve, quoi. Premier, c'était que Georide fonctionne. Maintenant, c'est réussir à refaire marcher la chaîne comme en bon vieux temps, quoi. Et j'espère que je serai toujours à vos yeux quelqu'un d'authentique, MDR, tout ça, tu vois. C'est important. Je vous confie un petit peu, en fait, là. Je me confie un peu. Lui va me faire un coup de pute, tu vois, je le sens qu'il va se déborder à droite. Eh ben non, tu arrives à tout droit. Eh ben voilà. N'hésitez pas à me confier vos paris sportifs, je pourrai tous les gagner, info sûre. Du coup, pour en revenir au sujet de la vidéo, les voies de bus, etc., même si c'est normalement pas légal, du moins, alors à Paris, c'est différent parce que t'as les grosses bordures. Donc là, je vous déconseille vraiment de prendre les voies de bus, sinon c'est mort, vous allez vous faire baiser. C'est sûr, ça va bloquer des gens. Et dans le reste des villes, je trouve que les deux roues devraient avoir les voies de bus. Parce que tout le monde le fait déjà, tu vois, c'est légaliser un truc que tout le monde fait déjà, quoi. Ou alors bien l'encadrer, tu vois. C'est ce que je propose. Moi, je. Voilà. Ça devrait être aux gens qui roulent, tu vois, de décider un petit peu. C'est eux qui vont savoir au niveau sécurité quel est le mieux, quoi. C'est pas les mecs qui ont un chauffeur, tu vois. Ils connaissent rien du tout à la conduite. Certainement pas à la conduite de roue, quoi. Voilà. On termine sur une vue du Capitole avec plein de tentes. Un petit marché. Bon, les gars, merci. On se revoit pour une vue à moto très spéciale. Puisque c'était la 50e, la dernière. Et qui dit 50e dit. Best of les gars, best of. On va faire un best of de toutes les vues à moto. On va faire une vue à moto de toutes les vues à moto. Ça va être incroyable. Le Pixel Nude est en train de préparer ça. Ça va être énorme. Bref, vie à tous et puis à bientôt. Ciao les gars.